Ce soir, c'est le lancement de la 4e édition du concours Banking Innovation, organisé par HSBC, Refinitiv, Google et Sia Partners. C'est un concours de 3 mois qui a pour objectif de présenter un dossier innovant dans le domaine de la banque et qui s'adresse aux étudiants d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce et d'universités. La nouveauté cette année, c'est que les étudiants vont avoir droit à des accélérateurs, notamment des sets de données qui seront mis à disposition par Refinitiv et un environnement de développement dédié qui sera le cloud de Google. Ce qu'on espère pour cette année, c'est d'avoir des idées aussi innovantes que ce qu'on a eu les années précédentes, mais surtout qu'on aura des équipes motivées qui iront jusqu'au bout pour présenter leurs idées. On va privilégier les dossiers les plus concrets dans le domaine de l'innovation. Et d'ailleurs, les années passées, on a un certain nombre de dossiers qui se sont transformés en start-up ou en entreprises qui existent encore à l'heure actuelle. Gagner le concours en 2019 a été un vrai tremplin pour moi et pour le projet Factordin que je développe. Ça a été l'occasion de rencontrer plein de professionnels du monde de la finance, de tester mon idée, et ça aboutit aujourd'hui à une création d'entreprise. Donc c'est vraiment une expérience que je recommande à tous les étudiants. L'intérêt pour nous de participer à ce concours, c'est de nous appuyer sur la créativité et l'imagination des étudiants. La data, c'est juste le début. Avec les capacités du cloud et avec les enjeux de la banque du futur, c'est très intéressant pour une société comme Refinitiv d'être partie prenante dans une aventure comme celle-là. C'est une super opportunité. Les étudiants arrivent avec de très belles idées. Nous travaillons ensemble à les faire mûrir et c'est un super moment d'échange. Pourquoi Google participe à Banking Innovation aujourd'hui? C'est avant tout pour aider les étudiants à réaliser leurs projets et à réaliser leurs rêves en partageant la culture de l'innovation propre à Google et en mettant à disposition toutes nos ressources pour construire la finance de demain.